Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Je pense qu'on va aller chercher les embrouilles, les vraies. On part sur une mission secrète, c'est la. Combien c'est la 2? C'est la 2. Mission secrète 2. Avec un risque moyen, mais avec un chasseur dans la zone. L'avantage c'est que j'ai fait une petite mission là juste avant qui m'a permis de réduire de les dégâts. Ah du coup attendez, je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de réduire encore un peu quelque chose genre. Ouais non mais après ça vaut pas le coup, c'est le même niveau de difficulté. Donc go, allez vas-y, allez. Allez, allez on prend du risque, ça fait longtemps que le reporter crew n'a pas pris de risque. Ah, joyeux Noël bien sûr, joyeux Noël à tous. C'est spécifiquement Noël à cette période d'embrouille. Le superbe Bomber Crew, bien sûr, pas de problème. Alors, pour vous, vous avez l'impression que c'est en continu. Hein. Pour moi, c'est plus du tout la même session de jeu à partir de cet épisode. Ce qui veut dire que vous vous doutez qu'il s'est écoulé un mois ou deux entre tout ce que j'ai tourné et que je vous ai diffusé. Lol, la grosse blague. De toute façon, vous en foutez. Allez, on est parti. C'est parti. En fait, en atterrissage. C'est parti. Que le pilote ennemi Franz et Fritz. Oula, c'est deux mecs. C'est deux mecs dans la même zone là. Réellement. Détruire un stock de combustible. Donc, ça, hypothétiquement. Qui est à l'avant? C'est Wright. Scott, tu peux économiser un peu de carburant, je sens qu'on va voyager. Bon. Ah, les deux autres là-bas. Bah, Vine, tu veux pas quitter ton poste du coup. Ah, cette distance avec un missile, je touche rien. Alright, right, un peu de concentration, mec, s'il te plaît. Si tu peux tuer des gens. Superbe. Je sais pas si t'as tué des gens, mais superbe. Ah, d'ailleurs, le canon MK20 là. Qu'est-ce qui tire loin ce truc? Tard, les autres avec leur T300 ils tirent moins loin quoi. Enfin aussi loin. Aussi loin alors qu'ils sont devant quoi. De quelques mètres. Ouais, c'est ridicule. Right. Tac, tu te mets là, c'est quoi? C'est des bons comme ça. C'est ce que je voulais check. Paf, ta place. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est vrai que maintenant on a l'appel des Spitfire. Ça aussi c'est cool. Ça vient d'être débloqué du coup dans la mini mission que j'ai fait discrètement mais sûrement entre deux. J'ai débloqué l'oxygène 2 je crois. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit notre chasseur ennemi, voyez-vous. Notre chasseur, notre race. Ah, j'ai pas envie d'aller par là. J'ai envie d'aller par là. Cartman, moi je vais aller par là. S'ils survolent les lignes ennemies, moi c'est ce qui m'intéresse. Allez, on fait plutôt un chien en flak, ça m'intéresse pas. Allez, on se tire de là. Voilà, bah il est là. C'est pas là. C'est juste un chasseur. La sauce. Bon, s'il te plaît, concentration. Ok, ça s'est bien passé. Anti-incendie, vide à droite, vide un maximum à droite. Ok, on va monter, monsieur. On va monter le temps qu'on monte. Avec un peu de chance, on aura le temps de faire un peu de repérage entre deux. La zone de flak, elle est là en bas, elle est au milieu. De sa perlipopette. Mais sortez-le. Vraiment. Mais vous êtes vraiment à recharger. Vraiment des incapables. Soigner, recharge, parce que t'es déjà pas très frais.
camion quand même, hein. Alors, je suis pas sûr par contre. On est vu. Remets-toi à voyager, va. Ça sert à rien. Tour de radio de reconnaissance, s'il vous plaît. Un petit appel de Spitfire à ce stade, c'est pas vilain non plus. On se dit qu'on fait ça. Et on se dirige drastiquement vers l'objectif. Je connais personne, c'est personne. J'ai la carte. Ok, on vient d'avoir une petite photo de carte d'arrivée par là. Il est pas encore là. Je te cache. 325, ah oui, c'est des vrais avions là. C'est des vrais avions en fait. Ils sont pas beaucoup, mais c'est des vrais avions. C'est pas des avions en mousse. Je suis un héros, je te dirais, il y a un gros nuage en dessous de la terre. On déconne toujours pas. Non, il nous faut. Papa Suscott 3, s'il te plaît, vieux, descends là. Ah merde, on va se faire griller. On va se faire griller. Là-dessus. Non mais sérieux, on va se taper du flac là comme ça. Hein. Right. Non, comment on rentre déjà dans l'appareil comme ça? Hop, ici, s'il te plaît, voir les portes. On est par où, largage? Largage, c'est génial. Fermez la porte. On charge tout de suite la munition suivante. Hein? Ah oui, bah c'est fini. Au revoir, on se casse. J'avais qu'un seul passage à faire. Okay. On va même pas s'embêter. Radio, s'il vous plaît. Cage automatique des ordures, liste. Vite, marquez-moi toutes ces pourritures. Ouais. Si tu veux bien remonter là-haut, s'il te plaît. C'est un amour. Je sais pas ce que vous avez derrière. Ah, mais il y en a encore. Hein. Ah non, c'est des spits. Ah, c'est nos spits. Là, il y a quand même, ça commence à faire beaucoup. Hein. Allez-y doucement. Map monde. Je peux pas dézoomer la map. Ah, il retourne à la base. Grand seul problème. Cette direction. Il fait traverser la terre. Donc, ouais, ça me va. Richie qui est quand même vachement mouché. Toi là-haut, est-ce que tu peux recharger? Est-ce que tu peux partir prendre un soin vite fait? Ah! On a trouvé les embrouilles. Right, reprends ton place s'il te plaît. Nice. Concentration incendiaire. Le monsieur là-haut, pareil, si tu peux balancer de l'AP là-dessus, voilà, je t'adorerais. Français Fritz. Butez l'ami Fritz. Schnell. Enfin, quickly, parce que vous êtes de ça marche aussi, le principe. J'ai gardé des buts sur toi, très bien. Non, c'est pas. Moi, ce que je veux là, c'est Cartman. Mandela. Ah, ouais, Burn, c'était peut-être pas bon en fait. Sec et sec.
flac dégueulasse là. On se fait flaquer là. C'est la bonne bonne flacasse, tu vois. C'est la flacasse qu'elle est bonne, quoi. Ah, il se plaît, un petit effort. Ah oui, ça y est. Oh, c'est bon, pas un petit effort en fait. C'était bon. C'est quoi ton problème? Range-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mets-toi. On voit les chasseurs au compte-goutte là, mais. C'est quoi l'histoire là? Ok, très bien. C'est quoi? Peu de carburant. Ça va, arrête de chouiner. Ah oui, non, on a peu de carburant. D'accord, on a très très peu de carburant. Très bien, oui, c'est noté. Oui, monsieur. En effet, faites bien de le souligner. J'apprécie votre sollicitude. On n'est pas frais. Derrière, il est mort. Ah. Ça peut devenir embêtant. Peut-on larguer du lest? Monsieur Scott, par-dessus bord, vous servez à rien, vous prenez de la place. Vous prenez de la place, vous prenez du poids, monsieur Scott. Cassez-vous d'ici. Ah, mais on a assez. On a déjà testé, maintenant nous on sait. On sait qu'on a assez de. Tu veux pas aller te soigner là? Ah, il y a déjà quelqu'un, excusez-moi. Déjà right. Et vas-y, va te faire soigner. J'espère être de voyager un peu. Tranquillement. J'avoue, ceux qui ont médecine sur eux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment soignés aussi beaucoup plus vite. Hein. Ok. Monsieur Scott, du coup, voilà, tant que vous rechargez votre compétence. Monsieur Barton, est-ce qu'on peut avoir un aérodrome, je vous prie? Merci, fort aimable. Fort aimable à vous. Très bien, la radio, à ton poste. On va pas accélérer tout de suite, parce que si je peux, voilà, économiser un peu de carburant, on va le faire. Avant d'accélérer. On fait ça tranquillement. On sort les trains d'atterrissage de Monsieur Rousseau. On est bon, ne l'oubliez pas. On est bon. On est bon, on est bien, on est fort. On y croit à mort. Richie qui a pris quand même le tarif. Ah. Monsieur Scott, est-ce que ça vous dérangerait, Monsieur Scott, un jour de travailler? Ah, en fait, mon réservoir n'avait pas entièrement bouché, je continuais à perdre du carburant. Ah, finalement, ce super réservoir, il est pas si ouf que ça. Quoi? Si, la beurre. Un moteur, succès déverrouillé. Ah, après, à la vue, je me suis posé avec juste un moteur, hein. On a vu, c'est ouf. On a vaincu l'As. C'est bon, on a Monsieur Burt. Monsieur Burt est vivant. C'est où Burt? Burt, t'es où? Oui, il va très bien. Il a la pêche, il est revenu. Il a la pêche, ils sont tous revenus. Burt avec des HE. D'accord. Burt, c'est lequel? C'est artilleur tour. Bon, je. Oui, normalement c'est la tour qu'elle a été blessée, je vois pas. Je vois pas pourquoi, mais c'est pas grave. On l'aime bien. Ah oui, mais du coup, est-ce qu'il me compte un avion bousillé? Parce que là, sinon, je vais m'énerver. Parce que là, normalement, j'avais. Mais. Attention, je peux m'énerver. À n'importe quel moment, ça peut arriver. Hein. Je vous préviens. Méfiez-vous pour vos oreilles. Oh, le blindage léger. Oh, c'est pas mal, hein. C'est concept. Pour l'instant, j'ai pas besoin de m'alléger en blindage. Putain, il y a de belles armes. Okay. Ça, c'est beau. Hein. MK23 mm en bande de munitions, alors là ça devient sale, hein. Ça deviendra très sale, mais bon, pour l'instant c'est pas nécessaire. De toute façon, j'ai rien débloqué d'autre. Voilà, j'ai juste débloqué le réservoir oxygène 2. Pouf, paf, paf, pouf, pouf, et paf.
Oh bah, on est bon partout. On a notre pigeon de level 3 avec sa superbe casquette de capitaine. Et ben on a sorti un autre chasseur de primes. Hein. On a sorti lesquels là? Franz and Fred Blitzer. C'est plaisir. Je sais même plus combien j'ai pris pour ces cons, mais c'est pas grave. Donc ça on me dit c'est facile. On m'a dit vas-y c'est pour les enfants. C'est marrant, ça reste. Ah bah ça c'est ma mission de passion, ça c'est ma mission de cœur. Sauver des gens, prendre des photos. Ça c'est la mission, tu survoles. Et si tu vas sur la côte, tu peux prendre deux photos. Et tu reviens, t'as fait max thune en faisant rien du tout. Donc quelque part c'est super. Sinon bah on peut se lancer dans la troisième mission. Voilà. Usine d'avion de Stuttgart. Oui. On peut se faire l'arme secrète 3. Mais ça rapporte rien au point de recherche et c'est moins. Là je gagne 250. Là je gagne 1500. Là lol quoi. Là c'est juste lol. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt des armes secrètes. Si ce n'est éventuellement me les débloquer. Mais jusqu'ici elles étaient toutes débloquées, que j'en ai fait ou que j'en ai pas fait. Je suis dubitatif. Voilà, genre là, il y a quand même vraiment. Là, ça vaut le coup d'aller s'emmerder là-bas, par exemple. Déjà, parce qu'on diminue la zone de flaque si on y arrive. Ensuite, parce que c'est la résistance. Oh, allez, c'est la résistance, vive la France. On gagne beaucoup. Et 1500 en plus. 1500. 1500 points de recherche. Oh. Non, parce que là, faut pas déconner, quoi. Le gars, il me donne même pas 250. La mission parachutage du genre tu décolles, tu te poses. En vrai, c'est ça. C'est la mission tu décolles, tu te poses. C'est aussi con que ça. Tu verrouilles ta place, tu décolles. Ah, s'il vous plaît. On sait où, voilà. Notre atterrissage, parfait. Magnifique. On se penche, on économise le carburant, on se focus, du coup, on va un petit peu loin. Oui, Londres en vue. Alors, l'autre il est toujours. L'autre il en peut plus. Hein. Vous avez vu, c'est Londres, c'est la maison, c'est la capitale. Ouais. Bande de cons. Mais espèce de con, on sait que c'est Londres. Enfin, je veux dire, Waouh. Comment t'expliquer? C'est un peu comme si. Des Français s'extasiaient sur le fait que. Oh, vous avez vu, on survole Paris. Ouais. On connaît, c'est notre capitale, à titre informatif. En fait, c'est notre capitale. T'as pas besoin de nous signaler à chaque voyage, quoi. On avait compris la première fois. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Ouais, c'est l'artilleur de queue. Ah bon, Dieu, qu'est-ce que tu nous décidais, bon, c'est incroyable. Le monde te déteste, hein, je crois. Petite radio de reconnaissance, s'il vous plaît. Je pense que c'est le moment de prendre quelques données sur la côte. Ok, deux photos. Ok, il y a du radar. On va monter. Oh putain, y'en a partout. Y'en a partout, ils ont collé des radars partout en France quoi, y'a que ça. C'est We Are Radar. Juste un peu plus vite. Plus vite. Si on peut éviter de faire paniquer les gens, je suis heureux. Je te préviens, je suis heureux. Oh la quantité de merdier sur ma route. Inadmissible. Hein. Moi je demande à être remboursé. Non, non, mais vous ne voyez pas, j'existe pas. Repéré par un radar ennemi, bande de salauds. Économiser le carburant, on va devoir se friter. Ah, il faudra larguer les. Oh, en basse altitude. Je m'énerve pas, je reste. Reste safe, reste freeze. Reste Mr. Freeze, très bien.
Et on n'a plus aucune info. Ah! Et on est grillé depuis longtemps. Très bien. Bon, je... Allez, en basse altitude, de toute façon, on est grillé. Grillé pour griller, hein. Ah, et par contre, il y avait du flag, ça c'était pas prévu. Je les entendais pas, je les voyais pas péter. C'était un peu moins bien prévu, si vous voulez. Et je ne suis même pas prêt pour me battre, puisque tu n'es pas concentré, et tu n'es pas concentré non plus avec l'incendiaire, s'il te plaît. Je les ai passés, les petits gars, ils sont où les petits gars? Ils sont où les petits gars? Faut vraiment faire demi-tour, là, comme ça. Merde, t'as pris une sens encore? Mais vous allez lui foutre la paix, ce pauvre garçon, il vous a rien fait. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais arrêtez! Arrête! Feu! Attends! Sauce-le! Sauce-le! Fais-lui tout ce que t'as dans la gueule! Tu es en AP maintenant! Balance, balance, balance tout ce que t'as! Non mais je suis au beau milieu du flac! C'est au beau milieu du flac! Mais ça rase dans ses morts, c'est au beau milieu du flac! Right! On reste zen, on reste zen, on n'est pas énervé du tout! On ouvre les portes, c'est parti! Moi j'y crois, j'y crois! Incroyable. Ah, monsieur Scott, s'il vous plaît, on monte. Plus vite, bande de nazes. Monsieur Burt, allez vous faire soigner en Angleterre. Hein. Allez vous donc voir la gueule de leur métro. Allez recharger. Monsieur Bux. Bonne bosselle, j'en sais rien, je m'en fous. Bande de trous de balles. Voilà. Ça, pas de racisme, pas de discrimination. Oh là là, faut que j'aille prendre une photo. Ma vie est terrible. Si vous saviez. Oh, la photo en plus, ça sera pas ouf si je la fais demain. Non, Radio Man, marquage auto, j'ai pas envie de prendre la tête. Merci. J'aurais dû en d'ailleurs prendre la tête, mais allez, descend. Oui, tu vas voir, TKT, tu vas voir des news du monde. Tout va bien se passer, ma gueule. TKT. Monsieur Scott, par contre, on va passer peut-être en économie de carburant, parce que normalement, on est sur l'espèce de frontière où ça devrait aller, quoi. En fait, où ça devrait pas trop tirer, là. Il ne devrait pas y avoir trop de... Oh non, il faut un point personnalisé là. Tac. T'es là. Laisse-moi soigner Radio Man. Ça a pas l'air d'être trop gros chasseur énervé. Ça peut aller. Je vais libérer Richie. Je vais le remplacer. Il peut se faire soigner également. On est toujours en économie de carburant. Très bien. Au bout de la carte. Paf, monsieur Scott, tournez le pilotage. Le pilotage, monsieur Scott, merci. Ça va, ça va, ça va. Le bombardier est un pilote. Tout va bien. C'est pas
grave, c'est pas grave. Je le vis bien, je le vis bien. Right. Hop, tu montes ici. Hop, tu te concentres direct et tu demandes à incendiaire. Je les éclate. Je les sors. Je les sors. Je sors ou je te sors. Il n'y a plus aucun problème. Vous savez quoi? On est en Côte de France. Oh, excusez-moi. Non, sors-moi de là. Tac, on est sur la Côte de France. Bah, très bien. On va volailler par là. On va contourner. Hein. Attends du carburant, monsieur Scott. Formidable, monsieur Scott. On penche. Hein, on se penche sur le côté à première vue. Tu te penches en avant. Première vue, tu as plus de vitesse. Enfin, tu fais des économies de carburant. Si tu penches en arrière, t'as plus de vitesse. Si tu penches en avant, t'économies du carburant. Technique, je vous conseille, ça me fait plaisir. C'est vraiment lourd de lourdeur, quoi. Mission excessivement longue. Ah, toi, tu peux aller recharger, par contre, hein, ça fait plaisir. Et puis, Barton, tu peux aller faire soigner ton bobo au doigt. Parce que, visiblement, il s'est fait bobo au doigt dans l'histoire. Pas de problème. Aucun nouveau renseignement reçu. Formidable. Barton, grouille-toi de récupérer ton poste. Attends à ton poste. Oui, parce que oui. Pouf. Voyage comme ça, les détails. Tout en trajectoire personnalisée. Et alors, tu vas faire quoi? Voilà, c'est tout. T'es dégoûté. L'économisation, l'économie de carburant, en soi, ça dure longtemps. Hein, maintenant. Les gens avant, c'était cool. Là, ça dure vraiment. Ça dure vraiment, quoi. Non, mais genre, ça dure vraiment. Non, mais c'est pas une blague. Ça dure. Certains disent même, ça perdure. On est revenu au pays. Là, on commençait à se barrer en Irlande. Là. On commence à tourner un peu trop. Quoi. Ah, les incendiaires sont prêts à être utilisés. C'est magnifique. Bon, est-ce qu'on a pris beaucoup d'aération? En vrai, ça va. Hein. Maintenant, on commence à vraiment avoir des blindages. C'est plus des feuilles de riz quoi, c'est plus des couches de feuilles de riz quoi, c'est vraiment des vrais blindages quoi. Regardez, ça tient tout ça, hein. On a pris un petit peu d'aération par là quand même. Hein. C'est fait aérer à un moment donné. Et puis bon, on a Bird qui a servi un peu de bouclier. On a Bird qui a servi un peu de plaque de blindage, mais faut pas lui dire, après il le dit mal. Voilà, c'est tout. Il ne dira rien. Oui, se pencher, on va continuer à économiser un peu de carburant. Si on va, on est bien. Ça nous permet de rallonger quand même la durée de vie de notre réserve et puis de mettre un petit coup de collier à la fin pour aller bien. Pour aller bien, pour aller vite. Ok, nouvelle trajectoire, parfait. On pourrait pas tarder à voir les côtes du pays, bah voilà, on les voit déjà. Magnifique. Avec un peu de chance, même pour faire plaisir à Monsieur Barton, Mademoiselle Barton, enfin on s'en fout, soldat Barton. On va peut-être même se retrouver à survoler Londres. À Barton, hein, Cartman, hein, comme on appelle dans le milieu. De Chesil Beach maintenant. Ah, bah c'est vrai qu'il connaît même la carte des plages. Il faut savoir que le soldat Barton, quand il est en permission, il fait aussi guide touristique en fait pour arrondir ses fins de mois. Voilà, si jamais vous voulez faire des vacances à Londres, appelez le guide touristique. Voilà. Bon, ça compte là, c'est bon, on est en Angleterre, on peut remettre un coup de collier là, c'est bon. Un peu long, quand même. Là, on a pris de l'XP, on a pris du bonus contre les flaques, on est confortable. Hein. Bon, je m'étonne de plus avoir déjà de
Comment s'appelle-t-il? J'ai plus le nom. J'ai plus de mission principale qui me sont proposées, enfin de mission critique. Critique. Je sais pas si c'est parce qu'il faut faire un certain nombre de missions entre deux. T'as l'air aux fraises, hein. Je veux pas faire le mec, mais t'as l'air aux fraises, hein. C'est pas parce que t'as pris 2 balles dans la bouche que tout de suite, quoi. Voilà. C'est passé tout seul. Ouais. Paf. T'as de la thune. Voilà. On aime l'argent. On aime l'argent. Deux photos de reconnaissance qui rapportent en plus, même encore un peu d'XP par-dessus ce bord. Blablabla. Ok, très bien. Petite mission tranquille, quoi. Oh, on a développé quelques petites choses. Gilet pare-balles lourd MK2 pour l'équipage. Attention. Attention, là on discute. Attention, là on discute. Ramenez-vous les clones. Oh, on a nos petites sapins de Noël. C'est trop kawaii. C'est très très kawaii, décidément. Paf! Mais c'est que du positif. Ah d'accord, ouais, donc ils ont quand même allégé légèrement en fait le... Ok, ah oui, c'est... Bah c'est équipable partout je crois. Alors attendez, il faut pas que je fasse une bêtise non plus, mais... Scott, t'as quoi? Ah, t'as du lourd, ouais. On est tous la même chose, hein. On est d'accord, y a pas de problème. Ok. À 2-3 bidouilles près, tout le monde a la même chose, quoi. Ok, très bien. Et bien voilà, ils sont équipés en MK2. C'est bien, je suis content pour l'un d'entre eux qui a tendance à prendre la sauce maximale. On peut aller sur du missile 4. Ça me paraît génial, surtout que je m'en sers jamais. Et en plus, j'ai pas de quoi le trimballer. C'est trop lourd déjà. Oui, complètement. Tout à fait. Toujours plus. Le radar. Ah, le radar, ça passe pas. On est trop lourd. On est trop lourd. Sur le fuselage, qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut passer sur du léger. Ouais. Alors, le blindage léger, c'est moins mon... C'est pas... problématique en fait. Ouais, le blindé MK5, c'est voilà, c'est ça, c'est mignon, mais je fais chuter mon seuil de ça peut être mignon, c'est pas suffisant, quoi. Ah. C'est dommage parce qu'on est blindé de thunes, hein. Ah, une mission critique avec un pilote de chasse ennemi, mais bien sûr. Ah, là c'est mieux. Là, on est à côté de la maison, c'est quand même bien mieux pour casser des culs. Moi, je vous propose de tuer ce pilote de chasse dans une prochaine mission, dans un prochain épisode. Sur ce, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Je fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.